Waitress, la comédie musicale à l'Espace Saint-Denis ce soir. Joël Legendre, metteur en scène, merci beaucoup d'être avec nous. Merci, Isabelle. Bon, alors là, l'émotion qui t'habite en ce moment, c'est quoi? Bien, hier, c'était notre première représentation devant des gens. C'était une générale publique, donc on invitait nos amis. Il y avait peut-être 500 personnes dans une capacité de 1600, mais ça a donné le ton à ce que ça allait être cet après-midi et ce soir, parce que c'est nos deux premières représentations. C'était complètement hystérique. Wow! Mais j'ai vu, moi, cette comédie musicale-là, Waitress, à New York en 2017. Et en sortant de la comédie musicale, je me suis dit, faut qu'un jour, faut que ça soit adapté en québécois, faut qu'on monte ça. J'avais appelé juste pour rire, je leur avais dit, je veux le monter si un jour vous avez les droits. Et voilà, ça s'est produit. Et c'est un rêve que je vis depuis qu'on répète Waitress. Mais c'est la première fois que c'est adapté en français, cette pièce-là. Tout à fait. Donc, Sarah Bareilles, qui est l'autrice et l'idéatrice de ce spectacle, rêvait de le faire en français. Et comme Montréal est plus près de New York que la France, on a un côté plus américain. Et elle, elle adore. Elle était là hier, derrière moi, et chaque fois qu'elle entendait une chanson en français, elle me tapait dessus. Oh my God, it's so beautiful. Elle dit, je comprends rien, mais j'aime tout. Puis c'est vrai que c'est beau, là. C'est vrai qu'elle est belle, notre langue française. Et c'est adapté en québécois aussi. Donc, il y a plein de références à ici, et ça pourrait se passer ici, là, n'importe où, Waitress. Parce que c'est l'histoire, finalement, d'une femme là, incarnée par Marie-Ève Janvier, oui, qui vit dans une relation amoureuse... tumultueuse. C'est un très bon mot. Oui. Et qui va vouloir s'en sortir, mais c'est ses amis Waitress, donc dans ce petit café, qui vont l'aider à s'en sortir. Il y a un concours de tartes. Elle fait des tartes. Elle a un don que sa mère lui a transmis. Elle fait des tartes et avec ce concours-là, est-ce qu'elle va réussir à se sortir de sa petite vie de malheur, née pour un petit pain? Ouais. C'est ça qu'elle a dans la tête. C'est ça que son mari lui répète tout le temps. Et l'histoire est fabuleuse. C'est du Broadway, mais pas comme on est habitué d'en voir. Il n'y a pas de claquettes, il n'y a pas de paillettes. C'est hyper réaliste. Ça nous touche droit au cœur. Et hier, les gens qui étaient là, je voyais les Kleenex sortir. Vous allez rire, et tout à coup, vous rirez plus. Ça nous amène à quelque chose d'hyper émotif et on sort de là. Oh mon Dieu Seigneur, ça peut même changer des vies, cette comédie musicale-là. Je suis d'accord, il y a deux couches à ça, parce que oui, il y a la légèreté, mais en sous-couche, il y a une belle leçon de vie en dessous de ça, ce qui fait que souvent, on va au théâtre pour se divertir, c'est le cas. Ah oui, vous allez être diverti à 100%. Oui, mais il y a cette espèce de substance, c'est ça, il y a vraiment beaucoup de substance. Exactement, puis je dirais que cette comédie musicale-là, c'est la première fois de toute l'histoire de Broadway qu'elle était 100% dirigée par des femmes. Donc, ce n'est que des femmes qui ont écrit, qui ont composé, qui ont mis en scène, qui ont dirigé cette comédie musicale-là. Donc, si vous avez une adolescente, amenez-la voir ce show-là, ça peut changer sa vie. Pour vrai, c'est un hommage à la femme. C'est magnifique. Puis d'être bien entouré, les amitiés, l'importance de la sororité, il y a tout ça aussi. Ah oui, aussi. Très, très, très présent. Et je vous répète, on rit, les mélodies sont magnifiques. C'est pas pour rien qu'il y a 5 millions de personnes dans le monde qui ont vu cette comédie musicale-là. Et là, enfin, c'est en français pour la première fois au Québec. Mais Sarah Bareilles, qui était là, oui, il y a bon Dieu, c'est pas facile à dire. Dire, non, ça, pas facile, ça tu peux dire Bareilles. Bareilles, c'était là hier. Qu'est-ce qu'elle en a pensé? C'était quoi ses commentaires? Ah, elle était touchée après le spectacle, les yeux pleins d'eau. Elle nous disait comment c'était pour elle un rêve. Quand elle a écrit ça, elle dit, j'étais dans un drôle d'état, tu sais, puis j'ai vu ce film-là d'abord, puis ça m'a complètement interpellée, puis j'ai commencé à écrire des chansons, puis de voir qu'aujourd'hui, ma pièce fait le tour du monde. Puis pour une première fois en français, elle est extrêmement touchée et c'est une fille avec une énergie. Mon Dieu, on veut être son amie là, directement quand on la voit. Puis sur scène, il y a beaucoup de monde. C'est quoi, c'est à peu près 25 artistes? Oui, exactement. Oui, parce que les musiciens sont sur scène aussi. Ça, c'est quelque chose qu'on voit rarement. C'est de toute beauté, pour vrai. Et honnêtement, quand on sort de la pièce, on a envie de manger les tartes de Marie-Ève Janvier. Exact. Et il y en a des tartes, figure-toi donc. Quand on sort, il y a des tartes à vendre, il y a toutes sortes de produits dérivés. C'est vraiment extraordinaire. Bon, est-ce que c'est des tartes au bleuet? Ah, il y en a au bleuet, il y en a aux fraises, puis il y en a au sirop d'érable, bien sûr. Oh, déjà, vous voyez, on est comblés. Donc, c'est ce soir, oui, à l'Espace Saint-Denis jusqu'au 28 juillet, mais après, c'est à la salle Albert-Rousseau à Québec. C'est exactement bien de voyager aussi. Oui, bien sûr, faire voyager nos comédies musicales. Déjà 40 000 preneurs de ce spectacle avant même qu'il soit commencé. Je pense que de l'histoire du Québec, ça ne s'est jamais vu. Il n'arrête pas d'avoir des supplémentaires. Ben oui, parce que les gens... Mais ils font bien, allez-y, allez voir ça. C'est un rendez-vous, on entend le message. Merci, Joël Legendre. Ça fait plaisir, Isabelle.